là, là, chacun, bien le sera. Et maintenant, ça devient quoi? Kayanahayrullah, ça devient bonheur pour toi. Parce que tout ce que tu fais du bien, Allah te donne récompense jusqu'à la yomal. C'est ça, croyant, c'est comme ça. Croyant, quand il gagne bonheur, il ne dépasse pas limite. C'est-à-dire, sur ton hadith, Allah dit, ni kayla ta'asaw, Allah ma fataku, wa la tafrahu, bima ataku. Allah dit, on a fait tout bien en fait que de ne pas désespérer. Ni kayla ta'asaw, Allah ma fataku. Ne sois pas désespéré, le chef que tu veux, ça t'a échappé, tu n'es pas gagné. Il y a certaines choses, tu es en train de chercher, tu ne gagnes pas, alors il ne faut pas désespérer. Alors il sait pourquoi tu ne gagnes pas. Toi aussi qui as gagné, voilà ta frère ou bima attaque. Toi aussi que tu as gagné, il ne faut pas être brutal. C'est moi, parce que je connais, je suis comme ça. Allah dit, Allah, Allah, il est pour le mukhtar, le fakhur. Allah dit, il n'aime pas les gens qui se montrent, les gens qui se montrent. Non. Il fait les gens, à chaque moment, quand Dieu te donne bonheur, tu le connais, tu dis ça, là, c'est Dieu qui m'a donné. Je vais vous amener l'histoire d'un prophète parmi les prophètes de Allah. Il s'appelle le prophète Suleiman. Alayhi salam. Prophète Suleiman, il a beaucoup d'histoires. Mais je vais vous amener parmi ces histoires. Un jour, il est là sans oiseau. Il a l'oiseau qui s'appelle Boulboul. L'oiseau là l'a échappé. Il a regardé, il n'est pas vu l'oiseau. Après un bout de temps, l'oiseau est revenu. Il a dit, mais tu es partout où sans mon autorisation. Il a dit, c'est vrai. Mais je suis allé là où tu n'as jamais metté les pieds. Il dit, tu es partout. Il dit, je suis allé découvrir certains villes. Là-bas, leur chef, c'est une femme qui les commande. Voilà, Arshul Azim. C'est une femme. Elle a la trône. Elle commande. C'est une femme qui les commande. À la facilité. Amen. Mais le problème, l'oiseau dit, prophète Suleiman, il a dit, Wajatuha wa kaumaha yasbidouna li shamsi min dounillah. Il dit, mais le problème, je l'ai trouvé avec tout le bien que Dieu l'a fait. Elle, avec tous ces gens, c'est le soleil qu'ils adorent, ils n'adorent pas. Prophète Suleiman dit, quoi? Moi, un prophète de Dieu, je serai là, et les gens adorent cette chose en dehors d'Allah. Ma mission est laquelle? Il a dit, non, je vais te faire lettre, tu vas l'amener. Dans cette lettre, il a dit, Bismillah, Rahman, Rahim, Suleiman, Rahim, Bismillah, Rahman. La lettre vient de Suleiman, avec le nom de Allah. Toi, madame, j'ai entendu que tu adores le soleil. Je veux que tu viennes devant mon Dieu musulman. Prends-toi. Histoire est longue. Nous ne sommes pas dans le dossier. Je fais ça presque. À la fin du compte, la femme a été convaincue. Elle va venir chez le professeur. Avant qu'elle va venir, le professeur a demandé cet entourage. Et dit la femme, là, je veux qu'avant qu'elle arrive chez moi, pour savoir que nous, Dieu nous a donné le pouvoir qui dépasse pour elle. Mais nous, on adore Allah, on adore pas quelqu'un. Et dit, qui peut m'amener la traîne de la femme là tout de suite? Or qu'entre le professeur et la femme, ce n'est pas ici, voyons. Ça dépasse ici Cameroun, c'est comme Gabon et Togo. Là où la femme là, elle est, le professeur Suleiman ici. Il dit, qui peut m'amener le trône là, avant qu'elle arrive? Il y a un djinn qui s'appelle Ifrit bin al-Djinn. Il a dit, moi je vais amener le trône là, avant que tu vas te lever, comme ça s'asseoir, le trône là, je vais amener ça. Professeur Suleiman a dit ce trône là, je vais plus rapide que ça. Regardez le pouvoir que tu as donné déjà. Les djinns disent suffisamment, tu te lèves comme ça, s'assoit, tu vas voir le trône là. Prophète Suleiman a dit ça à ce trône là. Parmi les djinns, celui qui a les livres, la connaissance des livres, il a dit, moi je vais amener le trône là. Très bien, tu fermes les yeux, tu ouvres le trône là, sera là. Prophète Suleiman, il ferme les yeux, nous ouvre, il voit le trône là. Est déjà là. Allah dit Falam Mara Mustakarwa Inda. Le moment qu'il a fait tout là, elle a regardé pour voir. Aujourd'hui, tout le président de tout est là. Qui peut fermer les yeux, on va venir nous dire Cameroun ici. Il n'y a pas. Non. Cameroun, même dans l'hôtel du Gabon là, est-ce que le premier président peut fermer les yeux en même temps et ouvrir la main nous dire?
Mustahil. Regarde, il y a l'embouteillage. L'embouteillage ne peut pas arriver. Mais regardez comment Dieu a donné l'homme. Un prophète, quand il a vu ça, quand la hasard est faite de Rabbi, il a dit ça là, ce n'est pas mon pouvoir. Il a dit, ce n'est pas mon pouvoir. Ça, c'est la classe de Allah. Il est venu dit, Allah fait ça pour me prouver, pour voir à Ashikoum, hein? Et je vais être reconnaissant ou que je vais être ingrat. J'ai fait aujourd'hui, nous tous là, c'est là qu'on a échoué. Beaucoup, nous tous les musulmans, on a échoué là-bas. Wallahi, on a échoué. Quand Dieu donne quelqu'un bonheur, il désobéit l'homme. Quand malheur arrive quelqu'un, il désobéit l'homme. C'est-à-dire, on n'est pas équilibré, quoi. Wallahi. Regardez, prophète seulement. Prophète seulement, premièrement, c'est un prophète. Secondo, c'est un roi. Troisième, il comprend la langue des fourmis, la langue de l'oiseau. Et quatrième, il voyage avec le vent. Cinquième, c'est les djinns qui travaillent pour lui. C'est mécanicien, c'est maçon, plombier, tout ça c'est les djinns. Les sous-marins, c'est les djinns. Il contrôle tout. Mais malgré ça, il a des hasards, mais il faut dire. Il a dit ça là, c'est pas mon pouvoir, c'est Dieu qui m'a appris ça. C'est pour me prouver voir à Ashkour, est-ce que je vais être reconnaissant? En Akfo, où soit-il, je veux me prier. Regardez comment Dieu nous prie. Aujourd'hui, on a joué, mais on n'est pas joué. Regardez même le travail de Shaitan qu'on nous a mené. Des dames, beaucoup sont devenus des koufars, l'affaire des barons. Dès que l'autre équipe a dit, je vous ai dit, moi, quand je passe à Yali, toi, tu es qui? Toi, tu es qui en ta main. Toi, qui tu vas parler, ça va marcher. Ça là qui parle, ça marche. Des gars musulmans, ils prient. Wallah, ils sont devenus des koufars. Aujourd'hui, regardez. Même quelqu'un, un jeune qui est là, il bricole, il bricole, il bricole, il bricole. Il a en train de chercher moyen pour marier. Le jour que Dieu va lui donner moyen, il a gagné une fille de marier. Allez voir dans le mariage. Ils vont insulter Allah, ils vont insulter le prophète Mohammed. C'est le jour là que les gens ne prient pas. La prière de Asr, la prière de Maghrib, la prière de Isha à cause de son mariage. Allez regarder baptême, si quelqu'un, si Dieu l'a donné l'enfant, pour faire baptême de l'enfant, allez regarder comment les musulmans font. C'est là que tu vas voir les femmes avec des mèches. La femme va laisser tout son poitrine parce qu'elle va faire baser riche. Tous les hommes regardent. On dit baptême. Jésus dit, il n'y a pas d'équilibre. Équilibre, il n'y a pas. Wallahi. Professeur Maladi Haza bin Fatal Rabbi. Il y a voulu dire, à Ashkur Am Atur, Oman Shakar fa innama yashkur nasi, Oman Kafar fa inna Rabbi Kadiyun Hamid. Il a dit, Wallahi, celui qui a reconnu le bienfait, il a remercié Allah, ça devient toi. Mais celui qui a été ingrat, c'est fini. Allah lui est satisfait, mais c'est toi qui le problème. Ça veut dire que le prophète a dit un bon croyant. Si le bonheur arrive, il soit reconnaissant et il remercie Allah. Soyons comme ça, chers frères. Quand nous sortons au marché, le soir, on a calculé, le père entre eux, on dit Masha'Allah. Là, on voit il est là, il est là. Faut pas dire j'ai des clients. Moi, mes clients, c'est comme ça. Non. Faut dire Masha'Allah, on a couvert il est là. Tu rentres dans ton boutique, tu vois une boutique est remplie. Pour les marches à moi. La couvertelle, il n'a rien. Tu viens à la maison, tu tires ta femme, tu tires tes enfants. Ils sont en bonne condition, il faut des marches à moi. La couvertelle, il n'a rien. Il n'est passé pas de limite. Aujourd'hui, nous qui avons le Coran, nous qui avons le Sunna, le prophète nous a enseigné avant de partir. Beaucoup, on a dépassé les limites. Wallahi. On a dépassé les limites. Musulmans, regardez comment le prophète a dit. Un bon croyant, s'il gagne le bonheur, il soit le bénissant. Et il remercie Allah. Il soit le bénissant. Alhamdulillah. Masha'Allah. Tabarakallah. Alors c'est toi qui m'as appelé ça.
Le moment que quelqu'un pense qu'il peut faire quelque chose, tu échoues. C'est ça que Karuna dit, il a échoué. Le moment que Karuna a gagné l'argent, il a gagné tout. Les gens qui ont le connaissance, ils ont dit Karuna. C'est ce que Dieu t'a donné là. Prends ça pour chercher l'autre là. Voilà, tant ça ne suit pas comme la prière. Mais c'est un peu interdit. Même si tu cherches paradis, c'est un peu interdit qu'on suit une bonne maison, habiller bien, dormir bien, marier les femmes. Ça, c'est ne suit pas comme la prière. Après aussi, il faut glisser, aider les gens comme Dieu t'a donné. Beaucoup de commerçants, vous êtes devenus des milliardaires. On vous demande d'aider, vous n'êtes pas là. Avant, tu étais pauvre. Tant que tu n'es pas encore mouru, si ça parle, un jour tu deviens pauvre encore. Mais nous, on ne cherche pas ça. Il ne faut pas qu'Allah te rende pauvre. Mais Fais du bien comme Allah t'a fait du bien. Les commerçants, ils sont là beaucoup, mais c'est toi qui lui as ouvert la porte. Allah, c'est pour te trouver comme professeur. Fais du bien. On a dit Karun, il est. Après, on a dit quoi? Voilà, ta beauté de façade frappe. Ne prends pas ton pouvoir, ne prends pas le bien qu'Allah t'a donné pour amener des hommes sur la terre. Aujourd'hui, les gens de pouvoir, les gens qui ont les moyens, quand ils veulent faire quelque chose, et quoi que nous qui sommes à Yomana, ce qu'on ne fait pas, c'est parce qu'on n'a pas moyen. Non. 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 Avant hier, moi, j'ai fait la mariage de ma fille, ma grande fille Saad. Je lui ai donné un nom. J'ai dit ma femme, reste. J'ai dit ma femme, je veux mariage, ça commence ici, ça finit ici. Mais la main, tu signes. Tu es d'accord, bien, tu n'es pas d'accord. Elle dit, ça, je suis d'accord, bien fait, bien. Je dis, c'est pour ça que je veux te marier de ma fille, Marie. Du coup, toi, des chitans, là, je ne veux pas ça pendant mon mariage. Préparez, les gens vont manger, celui qui vient, Allah m'a pas dit, le soir, vous prenez la femme, vous amenez sa femme. C'est moi qui a dit. Salam alaikum. Moi là où je suis, même si je n'ai pas l'argent pour organiser manifestation de dunia. Vous tous là, si je vous demande que donnez-moi, vous allez me donner bien dedans. Mais ce n'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Quand les gens ont pris comme ça, ils ont fait malheur de sa fille là. Beaucoup j'ai pris l'avion, voiture, on va venir voir. C'est lui qui parle, non? Les hommes s'arrêtent, on va venir voir ça, va passer comment? Il dit, Inch'Allah, c'est quoi une raille? Faut pas qu'on dépasse le métier, frère. Quand vous voyez certains ne font pas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de moyens. C'est parce que c'est interdit par Allah. Aujourd'hui, allez regarder dans le mariage. L'homme, la femme de l'autre et le mari de l'autre, ils dansent ensemble. On dit mariage, ça, ce n'est pas bon. Dans le bonheur, ne dépasse pas limite. Dans le malheur, il ne faut pas dépasser limite. Soyez au milieu. Nous ne sommes pas là pour nous qualifier. Mais on doit faire l'effort, mon frère. Luttons. Faisons l'effort. Parce que le diable est rentré dans tout. J'appelle ma fille, je dis, toi ma fille, dit, je suis propre toi. Il dit, c'est toi quand mon père. Je dis, écoute ce que je veux que ton mari ait fait. Je l'ai dit comment, je dis, je ne veux pas que vous allez taper tant mon égétant là. Tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord. Il dit, papa, il faut aller à tout le mari. Fais comme Dieu t'a recommandé. Je veux écouter, je veux obéir. C'est pas fini. Fitna là, c'est quoi? Fitna là, c'est quoi? Un musulman, quand Dieu nous donne bonheur, c'est ça que le prophète a dit. Il connaît, il voit le bonheur. Chaque Allah, il soit reconnaissant. Et Fakana Khayrullah, ça devient récompense pour toi. Allah donne la compréhension. Si malheur arrive à un croyant, le prophète a dit sois patient. Tu vas patienter. Et quand tu patientes, ça devient bonheur pour toi. On dit si on t'a informé, le malheur est arrivé, quelqu'un est mort, il dit Inna lillahi ma ahaza. Après tu dis Allahumma ikfir lahu, Allahumma sarbitihu. Si c'est une femme, Allahumma ikfir laha, Allahumma sarbitihu. Tu as fait tout ce que le Coran a dit.
Parce que nous, nous sommes des musulmans, nous sommes des croyants. C'est comme ça qu'on doit faire. En son milieu. Même si tu pleures, on voit la qui coule. Mais le mot qui sort dans ta bouche pour parler, voilà la coule, il n'a plus maillard d'arabouna. On va parler sur ce que notre Seigneur Allah, il est d'accord avec nous. Quand malheur arrive aux musulmans, il faut patienter. Patienter. Quand tu patientes, ça devient bonheur pour toi. Nous, on n'est pas comme les autres. Les autres, quand malheur arrive, ils ne patientent pas. Ceux qui ne sont pas des musulmans. Dès qu'on annonce la mort d'un chef de lui, il saute, il crie ici, tous les quartiers, où il crie, il coupe les pas, il tape son corps, il jette à terre, il tourne. Tout ça là, nous dans l'islam, c'est pas comme ça. Vous voyez, à ce moment-là, si malheur a arrivé, il faut patienter. Parce que quand tu patientes, Allah te donne beaucoup de récompenses. Il a dit, il n'a mis les hommes de Pala, Ama, ils sont les Tiaza. وإن الله إذا أحب العبد ابتلاه فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط. Il a dit grand et peu, tu gagnes grande récompense. Si Allah il veut de toi bonheur, il va t'éprouver. Il a même quelque chose. Quand tu patientes et tu acceptes, Allah il accepte, il t'accepte. Maintenant tu vas dire pourquoi c'est moi seulement? Allah il fait quoi? Allah aussi il t'abandonne. Et le prophète a dit, c'est ça que le comportement des musulmans. Musulmans, quand ils gagnent bonheur, ils reconnaissent, ils remercient Allah. Quand malheur vient, ils patientent et Allah lui donne encore récompense. Chers frères, mettez ça dans notre vie toujours. Si quelque chose t'est arrivé, que ça soit bonheur, il faut savoir c'est Dieu qui veut qu'il t'a donné. Premièrement, c'est Dieu qui t'a donné. Secondo, c'est pour t'éprouver, voir comment tu vas faire. Si c'est malheur qui est arrivé, il faut patienter. Il faut patienter. Je me rappelle le moment que j'étais étudiant. J'ai eu le problème maladie de la main. La main là. Il y a le panari qui a fait. C'était gros comme ça. On mettait pour ton état. Ça arrivait le jour de Yom Kippour, Akbar, grand jour, le grand fête. Là. Je suis maigri, je suis devenu comme ça. C'est moi-même qui ai quitté la maison jusqu'à l'hôpital. J'arrive de tout docteur, j'ai dit docteur, voilà ma mère, pour moi ça, je vais être chose à l'aise. Il faut couper ça. Alors docteur, là, il a ri. Comme il me connaît, il a ri, il a ri. Oh, que ça me fait mal. Je n'arrive pas, je ne dors pas, je ne peux pas. J'ai dit, coupe moi ça. Il a dit, non, il ne faut pas ça. Il fait musulman. Musulman, on ne peut pas laisser l'espoir comme ça. Ça va passer, il faut laisser tranquille. On va t'opérer ça, mais on ne coupe pas. Vous savez, avant, quand les gens ne connaissent pas, quand il y a Panari, on dit on ne fait pas ça. On lève ça et ils sont en train de bouffer la main. Il m'a dit on va te prier ça. Bon, moi j'ai dit non, moi je veux savoir que tu m'enlèves les doigts là pour être reposé. Aujourd'hui, ce n'est pas les doigts là qui est là. Le prophète a dit tout ce qui est là, c'est déjà passé. Ce qui n'est pas encore là, c'est ça qui est difficile. Et tout ce qui va arriver là, il n'a pas à le conseiller juste. Toute difficulté que tu vois, quand tu vas patienter, il y a là, facilité. Hier, on a fait tafsir. Dans notre tafsir, on est arrivé là où l'enfant du prophète Mohammed, qui s'appelle Ibrahim, il est décédé. Les gens sont en train de montrer le prophète Mohammed. Et il n'a pris quelqu'un qui va l'hériter. C'est le seul enfant garçon qui est resté, il est mort, qui va t'hériter. Allah dit non, c'est pas comme ça. Il a mené verset pour le faire. Il dit il n'a pas atteint quelqu'un. Fassalim le Rabbi Kawalhar, il n'a charné un Kawal. Quand le malheur vient, tu es patient, c'est le bonheur qui est là. Et c'est tout, c'est tout, c'est tout. Nous qui sommes des musulmans. Dans le bonheur, quand tu reconnais et tu remercies Allah, on te donne encore récompense. Quran a dit quoi? La in shakartum, la azidanakum. Allah, il te donne la azidanakum. Prenez exemple. Voilà, c'est toi qui as payé nos tirs. On a préparé le tout, tu es venu, tu viens manger. Tu as lavé la main, vous savez que tu cherches quelque chose que tu vas manger. Avant de demander, tu dis, Bismillah.
et tu manges avec la main droite, comme le sunna mentir. Tu finis de manger, tu dis Alhamdulillah. Ushat Alhamdulillah, il est dit Amani, on s'accorde, il est là, on est mini, on a quoi. Tu as vu, avant de manger, tu as mangé avec le nom de Allah. Tu as continué de remercier qui Allah. Parce que pour que tu as dit, l'ange appartient à Allah. Celui qui m'a donné manger, il m'a donné boire, ce n'est pas avec mon pouvoir, pas ma connaissance. Tu as vu, tu étais reconnaissant que c'est Dieu qui t'a donné. Ce moment, regardez, tu as mangé, tu as rassasié. Et tu as senti le goût que madame a préparé. Et encore, Allah te donne récompense, yom el. C'est ça qui est la riche, comme tout. Voilà, il t'a fait tout. Mais quand vous m'écoutez, c'est quand vous faites l'ingratitude. Quand malheur arrive, si tu ne patientes pas, tu vas crier, fatigué. Encore, tu n'es pas récompensé. C'est à cause de ça, chers frères. Cette hadith, les savants, ils ont dit, c'est une hadith que Dieu a mené, ça, c'est une balance dans la vie des musulmans. Dans toutes choses, il faut être juste là. Humilié. Hein? Il faut être juste humilié. Il ne faut pas dépasser. Il y a un monsieur, il est tellement vertueux. Il a sa fille. Sa fille a mémorisé le Coran. Sa fille a mémorisé beaucoup de livres de l'islam. Ce monsieur que je vous dis, c'est un tabi. Lui, il a fait 40 ans dans la mosquée. Takbir al-Ihram ne l'a pas échappé. 40 ans, Takbir al-Ihram ne l'échappe pas. Ce n'est pas la prière, je parle de Takbir al-Ihram. C'est-à-dire, avant que l'imam va faire le premier Takbir al-Ihram, 40 ans, il est là. Voilà comment Dieu l'a donné bon fils. Le roi le plus puissant des rois de l'époque. L'enfant des rois à l'époque, c'est les princes, c'est eux qui sont riches. Quand le roi a compris comme ça, parce que le roi c'est musulman. Et là, envoyer les gens d'aller de l'histoire là, qu'il n'est qu'à lui donner sa fille, il va donner son enfant. Son enfant qui est prince. Imaginez aujourd'hui, le président de la République, il est musulman. Et l'enfant, qu'on est quand même dit qu'il a vu ta fille, il veut donner son enfant à Abdoulaye. Si je suis papa, c'est le bien fait subir à la Alhamdulillah. À ta capire, il y a ce détail. Parce qu'il sait que l'argent va venir. Sa fille est mariée, l'enfant est présent. Mais papa était venu présent, la fille est devenue première dame. Mais les gens de Dieu, ce n'est pas ça qui est là. Celui que je vous parle s'appelle Saïd ibn Musayyib. Quand le roi envoyait les gens de lui, venez me voir qu'il vient sa fille. Il dit, vous êtes venu pour quoi? Il dit, c'est le roi qui nous a envoyé de venir demander la main de ta fille pour donner son enfant. Il a dit, allez, si vous retenez, vous dites le roi que j'ai accepté son salam alaykoum. Je lui dis, wa alaykoum salam, que Dieu nous protège dans son pouvoir car la main de ma camp. Nous tous le coulis, il est bon musulman, mais je ne vous donne pas ma fille. Les gens qu'on les a envoyés, ils sont dépassés. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'Ounia qui peut refuser cet don. Il dit, mais je ne donne pas. Parmi ses élèves, quand il a 5 ans, vous êtes là comme ça. Dans le cours, il a marqué, il y a un. Et ses élèves-là, ils ne voient pas. C'est le 4e jour qu'il a vu. On est parti, il le voit qu'il a refusé, qu'il était pas ta fille. Il a demandé à l'élève, il dit, pourquoi tu ne viens pas le cours? L'élève a dit que c'est ma femme qui est décédée. À cause de ça, je n'ai pas dit pas venir le coup. Ah, que Dieu l'a pas. Tu as déjà mal. Il a dit non. Oh, que tout le monde, les élèves connaissent sa fille là. Il a dit bon, ma fille là, je vais te donner. Tu veux ma fille, je te donne. L'élève là, parce qu'il sait que c'est pas la fille de Oussa là, c'est pas son nouveau quoi. Il croit que Oussa peut-être, Oussa c'est. Oussa. Il parle de quelle fille? Ta fille, là. Tu veux, moi je vais te donner toi ma fille. Vous savez, quelque chose devant grand, tu ne peux pas parler, tu grattes seulement sur la tête.
dit, je veux que tu ouvres ta bouche. Si tu veux gagner, tu vas refuser cette donne. Il a dit, je te donne ma fille. Pourquoi? Appelé tes parents, ils ont célébré le mariage. Il a dit, va. C'est-à-dire, lui, jusqu'à maintenant, il ne croit pas. On a célébré le mariage, il ne croit pas. Il a dit, va. La nuit, il est là. Le matin, on a célébré le mariage. On va venir la femme, il ne voit pas la femme. Jusqu'à la nuit, après, il chante. Il est là dans sa chambre, il demande pas quelle chambre à l'époque. Il attend Salam alaykoum. Quand il attend Salam alaykoum, c'est la voix du sang qu'il a attendu. Il doit aller, ça c'est la voix du sang. Et, ou bien il vient me dire que c'est le prix du marché. Il sort et voit au sang, la femme est derrière. C'est lui-même qui a amené sa fille. Pourquoi? Je n'ai pas dit aucune femme va amener. Non, c'est lui-même qui a attrapé la main de sa fille. Il a dit voilà ta femme. Que Dieu vous bénisse jusqu'à la roi. Il a refusé le roi. C'est ça, mesdames et messieurs. Vous savez pourquoi? Alors, parce que tu dis, cet enfant, il a été éduqué sur la parole de l'islam. Il connaît le Coran, il connaît le Hadith. Là, il faut qu'on va les mélanger par là où il y a le Coran, il y a un disque qui va marcher. Maintenant, si on va les amener dollars dans les CFA, si le Coran va partir, le disque va partir. Est-ce que les gens me suivent? Mm-hmm. Qu'Allah nous facilite. Ça veut dire ça, il y a même des erreurs qu'on peut donner. Ça ne peut pas avoir quelqu'un venir en Tunisie. Vous savez, chez nous, on donne les filles depuis bas âge. Tu es venu en Tunisie, toi, tu n'es pas à l'école. Tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas lire. Excuse-moi le nom. Tu es musulman, tu es bon, bien. Quelqu'un peut savoir écrire le nom. Tu es un bon, tu t'en fais, machin. La fille qu'on t'a donnée, elle a pris, elle est partie jusqu'à l'université. Va changer la femme. Tes parents vont dire, ta femme là, elle est déjà étudiante, elle a le diplôme. Il faut dire, ah, on est quand même chercher celui qui est. Mais celle-là, on est quand tu veux quelque chose. Mais si tu refuses, tu parles pas une femme diplômée comme ça, toi tu n'es pas pris. Mon frère, si on vient tous les articles qu'on te pose dans ta maison, c'est toi qui as cherché. Parce que elle, là où elle voit là, toi, tu ne vois pas là-bas. Elle est dans un monde, toi aussi tu es dans un monde. Ça ne marche pas. Je dis bien, ça ne fait pas quoi? Ça ne marche pas. Ça à cause de ça, l'islam n'a rien laissé. Ça à cause de ça, Seyyid ibn Musayyib, il a refusé de ne pas donner son enfant les rois. Ce n'est pas qu'il n'aime pas les rois. Et c'est des gens qui leur cœur, ils ont parlé ça. Ce n'est pas l'argent qui les intéresse. Quand tu penses que quelqu'un qui est là pour Dunia, il va faire 40 ans pour t'accueillir, tu vas ne l'a pas échappé. Hein? 40 ans dans le Dunia. Aujourd'hui, nous sommes là. Même après la paix du monde, on demande beaucoup de musulmans qui ont privé Mandri. Il faut le rencontrer. Dès qu'il est là-bas, il dit Imam Ali, qu'elle soit. Ce n'est pas tout le monde qui va rappeler. Quand il m'a fait mandrive là, c'est quel jour il nous arrive. Ce n'est pas facile. Mais regardez-les. À la facilité. Pour cela, musulmans, on soit comme ça. Juste au milieu. Quand le bonheur est là, sois reconnaissant, tu le mets là. Quand le malheur est là, il faut patienter. Ça dédie encore une récompense pour toi. Entre les deux, il ne faut pas dépasser les limites. Que Dieu nous pardonne. Barakallahu fikoum wa jazakoum Allah khair. Assalamu alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh.